Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles plages. Fatima, il est où Mzé? Je sais pas. Arrête de dire que tu ne sais pas, il est où Mzé? Mais Kumbo, ça fait plusieurs mois que je l'ai pas vu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me mens pas. Je sais que toi, tu es sa copine. Non? Tu sais, ça fait déjà 3 jours que je cherche Mzé. Je sais pas où il est. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai pas vu Mzé. Arrête, s'il te plaît, moi je cherche Mzé. Il faut que tu me dises là où tu l'as caché. J'ai caché nulle part. Ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu lui et moi. C'est fini entre nous deux. Je m'en fous entre vous deux ou pas, mais dis-moi là où il est, s'il te plaît. Mais où est-ce que je pourrais le trouver? Moi, je sais même pas s'il est à Mayotte ou pas. Et je pense même pas qu'il est ici. Tu vois tout ce que j'ai amené là? Je suis en train de chercher Mzé, je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais le tuer Mzé, je vais le tuer. Pourquoi tu veux tuer ton meilleur Pourquoi? Ami? Pourquoi? C'est pas mon meilleur ami, c'est mon meilleur ennemi. Mais pas mon meilleur ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais pas ce qu'il a fait? Non. Tu sais pas ce qu'il a fait? Non. De un, il s'est marié avec mon ex, la mère de mes enfants. Pardon? Oui, tu connais Machouma? Il s'est marié avec Machouma. Ça, je m'en fous, c'est sa vie. Ça, c'est une vie privée. Mais ce qu'il a fait chez Machouma, il a... Attends. Mzé, il s'est marié avec Machouma. Avec Machouma, mon ex, j'ai 8 enfants avec Machouma. Et maintenant, Mzé s'est marié avec Machouma. Non. Ça, de un, de deux... Il a enceinté ma propre fille Chouma. Enceinte? Là, Chouma est enceinte de quelques mois déjà. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment il voulait? Il ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est ça, oui. Il l'a enceinte. Là, il y a 3 jours de ça, on a fait une réunion familiale. Il a avoué. Et Chouma aussi l'a avoué devant toute la famille. Non. Tu vois tout ce que j'ai amené là? Je te jure, là, je suis en train de chemiser. Et le jour où je le verrai, je vais le tuer. Avec ça, là, je vais le couper. Je vais le couper la tête. Ça là. Je vais le couper les jambes. Ces grandes jambes là, je vais le couper. Avec ça là. Je vais le couper les oreilles ou les mains. Tu vois tout ça là? Je vais le couper les oreilles ou les mains. Et ça là. Tu vois ça c'est des couteaux. Tout ça c'est pour me. Je vais le tuer avec mes propres mains. Et je vais l'achever avec ça. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Je te dis, si tu vois Mzé quelque part, dis à Mzé de bien prendre la fuite. Non. Mais le jour où je le verrai, Mzé, je vais le tuer avec mes propres... Je vais pas aller à la police. Hein. Kumbo, non. Mzé, il n'ose pas faire ce genre de choses. Je suis pas d'accord. Est-ce que tu connais Mzé, toi? Je le connais, oui. Tu connais pas Mzé mieux que moi? Je le connais. Je le connais mieux que toi. Je te laisse connaître Mzé. Mais oui, moi... vas-y, pars. Mais moi, je te dis... Rambate, parce que moi, je crois aucun mot de ce que tu me dis. Calme-toi. Mzé, il n'est pas capable. Non. Mesure tes paroles. Mesure tes paroles. Mesure tes paroles. Mzé. Sinon, je vais m'en prendre à toi aussi. Parce que toi aussi, t'es dans le coup. Non, je suis pas dans... Comment tu me parles là, tu es dans le coup, toi? Non. Je sais juste te dire que Mzé, il n'est pas ce genre d'homme. C'est ça, ouais. Il n'est pas ce genre d'homme. Ça, oui. Il n'ose même pas toucher. C'est ça, ouais. Moi, je m'en vais. Je m'en vais, mais passe bien le message. Hein. Passe bien le message. Comment Surtout, passe bien le message. Passe bien le message, Fatima. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas. Psst. Ok. Les paris. Ma chérie. Je te jure, ma chérie. J'en suis sûr que Kumbo était venu pour que je lui prenne de l'argent. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne sait même pas que je reviens de voyage. Non, mais quand même. Ah bon? Ouais. Dis-moi, Mzé, t'es marié? Non, qui t'a dit que je suis marié? Non, je ne suis pas marié, chérie. Dis-moi, Mzé, encore une fois, je te reposais la même question. T'es marié ou pas? Non, oui. C'est que... Je suis...
À moitié quoi, chérie? Tu te fous de ma gueule? Mais chérie, tu me frappes? Tu te fous de ma gueule? Mais non, je m'en fous pas. Comment ça t'es mariée à moitié? C'est juste que c'est religieuse, c'est pas... Comment ça religieuse? Ça fait plusieurs mois que tu disparais, tu reviens, tu me dis que t'étais en voyage. Alors que t'étais pas en voyage, mais t'étais à Mayotte. Si, chérie, j'étais en voyage. En plus, avec l'ex de ton meilleur ami. Non, ça... Combo n'a rien compris, tu vois, Machuma et moi, je vais t'expliquer le système. Machuma comment ça, tu veux m'expliquer? Mais comment attends, ça, laisse-moi t'expliquer, chérie. Tu m'expliques rien du tout. Aujourd'hui, c'est toi qui m'écoutes, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à la fille de Combo? Tu vois, c'est ça que je voulais t'expliquer. Au début, tu m'as interpellé. Je vais te dire, tu lui as fait quoi, cette jeune fille de 16 ans? Tu lui as fait quoi? C'est un poison d'avril qu'on a fait à Combo pour qu'elle pète un peu. Tu lui as fait quoi? On a fait croire à Combo qu'elle est enceinte, mais c'est une fille de 15 ans. Comment elle est enceinte? Non, mais tu te rends compte? Elle a que 16 ans. Elle est mineure. Tu te rends compte de ce que tu fais? Mais chérie, c'est elle qui m'a provoqué, moi, j'ai peur rien. Comment ça, tu l'as provoqué? Tu l'as fait exprès? Non, c'est elle qui m'a provoqué. Après, soi-disant, t'es parti à la Réunion en rayon? C'est ça ton rayon? Pendant tous ces mois-là? Aussi ni sanguero doudé, amaniangu ivo. Aussi ni sanguero chérie, amaniangu ivo. Wamita umbwa na wawe, walata fungwa na wawe. Tivende aussi ni sange, wanifanya dori la shenge.